Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo haul, un petit haul, et l'annonce pour le concours des 500 abonnés. Donc ça, je vous explique après. Donc en premier, je suis allée chez Cultura et j'ai craqué, je me suis pris le Love Story. Donc elle a déjà tourné pas mal sur YouTube. Alors, excusez-moi pour la voix, j'ai toujours la crève. Je vous montre vite fait parce que normalement vous le connaissez déjà, hein. Et j'aime bien parce qu'en fait il est que sur. Enfin, c'est pas recto verso, donc du coup, ben, le papier il est assez épais et il y a moyen de s'éclater avec son matériel, quoi. Donc voilà. Les illustrations, elles sont superbes, franchement. Et il n'y a pas de papier peint, j'adore. Donc voilà. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour la marque-page vilain. Ah, j'adore les vilains de toute façon. Donc, il me semble qu'il a tourné aussi. Mais je vais vous montrer quand même quelques illustrations. J'espère que vous voyez bien. Va faire comme ça sera peut-être mieux. Attendez, oh là là, je vais y arriver. Hop. Je vous ai dit l'autre fois, j'avais des marque-pages, j'en sais plus trop, mais alors les vilains, j'aime beaucoup. Et puis c'est pas perdu, hein, je veux dire, il y a ma fille, il y a moi. Puis pour offrir, ça peut être sympathique aussi. Pardon. Donc voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je me suis pris la palette pastel. Donc j'avais pris déjà, vous savez, les couleurs peau. Là, je me suis repris la pastel. Je les trouve superbes. Bon bah, de toute façon, hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais y arriver. Voilà. Donc elle a déjà Johanna Colo, hein, il me semble qu'il l'a déjà montré. Donc là les couleurs sont super pigmentées, super jolies. Donc voilà, je me suis reprise celle-là. Ensuite, j'ai reçu le Disney Vitro tome 2. Je suis trop contente. Il est super beau. Alors celui-là, il est avec une reliure argentée. Vous voyez? Donc bah, je vais vous le montrer. Il me semble qu'il a déjà Bruno Art Gallery, je vais y arriver, a déjà fait la présentation, hein. Donc je vous montre quelques colos. Sinon vous allez voir sur sa chaîne. Voilà. Il faudrait que je regarde parce que j'ai l'impression que par exemple j'ai vu Frère des ours. Il me semble qu'il y a la même. Ou presque la même sur le tome 1. Bon, sans condition, j'adore Stitch. Alors, je sais pas pour vous, il faisait super beau. Après, on a eu de la neige. Et puis ben, les courants d'air, voilà, j'ai chopé la crève encore une fois. Donc voilà. Très contente de l'avoir. Donc voilà, hein, en gros.
café clochette, j'adore. Donc voilà, très contente de l'avoir. Et j'ai craqué parce que j'ai regardé la chaîne de Celia Enjoy, il me semble. Et ça faisait longtemps que je le voulais. Et voilà, je me le suis pris. C'est le Harry Potter, le livre des enluminures, pardon. Et ça, les coloriages sont du Harry Potter, le premier jusqu'au dernier. Et franchement, les illustrations sont superbes. Donc voilà, je voulais, je suis contente. Bon, il n'est pas donné non plus, mais bon. Voilà, je me suis fait plaisir. Et comme ça, je vais faire le challenge de Eleis Colo. Et il me semble qu'il fallait... Oh, j'ai perdu le nom, mon Dieu. Je sais plus. En fait, il y a un dessin que je veux prendre dedans pour faire le challenge d'Eleis Colo sur les quatre maisons de Poudlard. Donc voilà. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui. Je pense que je suis fatiguée, je ne dors pas beaucoup. Mais bon, bref, c'est pas... Voilà. Oh, j'avais pas vu ça, par contre. Je n'avais pas vu quand je l'ai tout à l'heure. C'est super. Ce qui me dérange un petit peu, c'est les dorures. Mais bon, avec le matériel nécessaire, je pense qu'il y a moyen de couvrir. Je suis pas très fan du doré qu'ils ont mis dessus. Donc voilà. Donc pour le haul, c'est terminé. C'était vraiment un petit haul. Ensuite, alors, nous allons parler du concours. Alors, j'ai eu une idée. 500 abonnés. J'ai décidé de faire un concours pour remercier mes abonnés. Et il va y avoir deux solutions. Là, on est à 502 abonnés. Et j'ai commandé deux cartes Amazon, dont une qui sera pour les 500 abonnés, donc une carte Amazon de 20 euros. Mais je vous propose aussi, sinon, on va attendre un petit peu et voir si on peut atteindre les 600. Allez, 600, ouais, on va dire 600, je ne vais pas aller jusque 650, mais si on pouvait atteindre les 600, je rajouterais la deuxième carte, parce que je me dis, c'est quand même déjà une carte 20 euros. Pour 500 abonnés, c'est déjà beau. Mais je me dis que, voilà, je veux faire évoluer ma chaîne. Je veux faire profiter mes abonnés. Parce que y en a qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter du matériel. Donc, voilà, je voulais faire plaisir. Donc, il va y avoir une carte de 20 euros. Donc, je vais voir l'évolution dans les deux semaines à venir. Et si beaucoup de personnes s'abonnent, je mettrai la deuxième... carte Amazon de 40 euros. Ou sinon, on restera sur celle de 20 euros et on attendra un petit peu pour mettre celle de 40 euros. Donc voilà, les seules conditions. Ça va être d'être abonné, ce serait super quand même. Et de marquer un petit commentaire. Je participe et je veux absolument un petit message pour que vous me disiez ce que vous souhaiteriez voir en tuto sur ma chaîne. Bon, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de tutos là, récemment parce que bon, l'année 2020 a été assez difficile. Elle n'a pas terminé très bien, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc là, voilà, je repars sur une... On essaye de repartir malgré la situation sur une bonne année. Et donc voilà, je voudrais les conditions, ce soit... Bon, je vous retiendrai au courant, hein, ça ne va pas être tout de suite. Je vous redirai quand est-ce que commence le concours et quand est-ce qu'il termine. Et ce sera les seules conditions. Je participe et quel tuto vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que je fais du colo, je fais des dessins. Je fais aussi, justement, j'ai pris quelques petites choses à vous montrer. Alors, attendez. Je fais de la résine époxy. Bon, ça, c'est pas, il n'y a pas vraiment de tuto à voir sur... juste peut-être pour montrer comment je l'ai fait. C'est possible, hein, pourquoi pas. Donc là, c'est des petits pendules que j'avais fait en résine époxy, vous voyez. Alors, je ne fais pas que ça. On peut faire des boucles d'oreilles, on peut faire plein de choses. Vous voyez, là, j'ai mis une perle... comment que c'est déjà? Ah, je trouve pas mes mots aujourd'hui, bordel. Bref, excusez-moi. Une perle avec des cristaux dedans. Donc voilà, j'ai fait plusieurs sortes comme ça. J'ai mis aussi
des fleurs de printemps dedans, comme ça. Des fleurs séchées. Il y en a des phosphos aussi. C'est des liquides qu'on peut avoir. Voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Je vais essayer de faire un échiquier à mon chéri. Parce que j'ai trouvé le moule. Et puis voilà. Donc, je peux faire aussi sur la résine époxy. Je peux faire sur la fimo, par exemple. Je fais des bracelets aussi comme ceci avec les canettes de coca. Enfin, tout ça, je fais ça, je fais des sacs à main. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. J'avais fait aussi beaucoup de bijoux en fimo. Vous voyez, par exemple, la caramba. Celle-là, elle est un peu usée. Hein. Donc là, les petits mignons. Alors ça, c'est un de mes premiers. Donc, il y a beaucoup de défauts sur ceux-là. Ça, c'est assez fait en fimo aussi. Dites-moi si vous voulez des tutos. J'avais fait un bracelet M&M's à ma fille aussi, vous voyez. Ensuite, ce n'est pas des moules. Hein. Ceux-là, je les fais vraiment à la main moi-même. Donc, les petites lollipops aussi. Les petites sucettes en boucle d'oreille. Bon, après, j'ai aussi, des moules, mais je ne vois pas l'intérêt de vous faire... un tuto avec un moule, quoi. Je veux dire, je préfère vous montrer comment je procède pour faire un... Vous voyez? Là, j'avais fait le petit champignon d'un Mario. J'avais fait Mario. Voilà, si vous voulez, tuto sur la fimo. Je sais qu'il y a une petite jeune fille, hein, si tu passes par là, Elena, qui attend justement des tutos sur la fimo. Donc, voilà. Pour la fimo, je fais aussi... des bijoux en perles de cristal, en perles de rocaille, hein, tout ça. Donc celle-ci, c'était une que j'avais fait. Celle-ci aussi, hein, celle-ci, elle est vraiment fait main. Donc pour faire le carré bonjour, mettre les petits strass dedans. Voilà, j'adore. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et je vous montre encore une de mes créations en ce moment. Alors, attendez. Comme beaucoup le savent, je me suis fiancée il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, d'ici un an, peut-être pas un an, ça fait juste 2 ans, je vais me marier. Et donc, j'ai décidé de faire des arbres en perles pour mettre sur ma table, enfin mes tables. Voilà, j'adore faire les arbres en perles, pardon, et ça se fait très joli. Je veux faire ma déco moi-même. Et donc là, je suis en train de faire, du moins... celui-ci, parce que mon chéri, il adore le orange et le rouge. Et voilà, je n'ai pas pris de tutoriel pour le faire, juste mes livres, et après j'ai fait à ma sauce. Donc voilà, ceci, ce sont les petites grappes. Ça va faire comme un cities, si vous préférez, ceux qui connaissent le cities. Donc voilà. Donc c'est beaucoup de boulot, attention. Là déjà, pour les grappes par exemple, il m'en faut 90. Et les feuilles, donc il y a deux tailles différentes. Parce que je voudrais que ça fasse un pleureur en fait. Donc voilà, vous avez les grandes feuilles comme ceci. Donc tout en perles de rocaille. Hein. Et les plus petites. Donc il y aura 44 comme ceci. Et il me semble une centaine... de grandes pour faire un arbre. Voilà, je vous montrerai le résultat si ça vous intéresse. Si vous voulez un tuto sur les arbres aussi, par exemple, j'ai fait... ils ne sont pas encore montés. J'ai fait un lilas, j'ai fait un mimosa. Et puis là, j'ai eu l'idée de faire mon schéma et de faire un modèle à moi. Donc, voilà. Je voulais vous montrer. Bon, s'il n'y a pas, tout ce que je fais non plus, hein, parce que, bon, bah, autrement, ça, on passerait des heures. Donc, il y a aussi du scrap, tout ça. Mais en ce moment, j'en fais pas trop de scrap, pour vous dire. Donc, voilà. Je vous tiens au courant pour le concours. Donc, on va voir comment évolue la chaîne ces jours-ci. Enfin, même, je pensais plus annoncer le concours pour la fin de semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne. Et voilà, tout ce que je veux, c'est vous faire plaisir. Ça me fait plaisir. Et voilà, on verra s'il y a deux cartes ou une seule carte Amazon. Et après, voilà, c'est dans le temps, on l'utilise comme on veut. Alors, comment je ferais? Ces Azou de la chaîne
Ça se voit en couleur, si je ne me trompe pas. J'y avais pensé à ces cartes Amazon et elle a lancé son concours. J'ai trouvé ça super. Je veux dire, au moins, vous pouvez vous acheter ce qui vous plaît sur Amazon et vous n'êtes pas déçu par un matériel qui ne vous intéresserait pas. Comme a dit Zazou, moi je trouve ça super. Et voilà, je voulais vous faire plaisir. Donc, ben, on se retrouve d'ici peu. Je vais faire ma vidéo sur mon matériel. Je vous avouerai que j'ai la flemme parce que j'en ai une tonne. Je pense que ça va être sur plusieurs vidéos. Et puis voilà, je pense commencer par les crayons de couleur. Et puis après, on fera par étapes. On verra bien comment ça s'organise. Et ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Like a Hellcat.